Il y a des professeurs, chercheurs, enseignants-chercheurs qui nous encadraient. Vraiment, au début, ils nous ont soutenus jusqu'au bout. On ne peut pas nier. Malheureusement, la femme qui était avec nous, Ndiémé Sow, a voyagé. Et elle a pris les reins. Les reins, il a donné ça à M. Daouda Nyandiata pour qu'il nous encadre, continue à nous encadrer. Mais à notre grande surprise, il a envoyé à la maison pour qu'on reprenne les dossiers parce qu'il avait besoin de ça. Jusqu'à présent, il n'a pas rendu les dossiers. La surprise est que sa gestion est très louche. Le compte était à 22 millions et quelques. Aujourd'hui, le compte est à 1 800 000. C'est ça qu'on demande, qu'il nous donne des explications, qu'il nous rende notre papier de GIE et qu'il rend notre argent. On l'a rencontré, il a parlé juste que l'équipe sortante a volé 8 millions. Dont moi, j'ai volé 8 millions. Il nous a fait signer une reconnaissance de dette. Comme on était naïfs, on n'a pas compris, on a signé cette reconnaissance de dette. Il a fait une intoxication envers les femmes. Il nous a divisé pour mieux régner. C'est cette injustice qu'on veut bannir. Qu'il nous rende nos papiers et nous édifie où est-ce que notre argent se trouve.